Oh boy. Ça va être chic, ça. Ça va être beau. Oui. Je vois déjà. Hop! Oh. André, t'es-tu dans le livre? T'as-tu une photo dans le livre? C'est ça, je regarde. Je sais pas, là. Attends. Tu vas être déçu? J'ai même pas fait le livre. La première hey, fois, André. Hey, salut, Big! Comment est-ce qu'il va? Toi! Yes, sir! Hey, tu leur as-tu déjà raconté que tu allais annoncer l'alignement avec les habits de Martin Saint-Louis là, dans les playoffs? Calvose! Hey, asti, ouais, ça je pense pas que j'ai compté. Non, tu l'as pas compté, ça? Non. Non, mais j'ai l'impression que c'est à cause de ça que t'es pas dans le livre. Parce que Dré, on s'est entraîné longtemps ensemble, Steph Dubert, ouais. Rosemère, puis... Méchant style moineau, ça. Ouais, merde. Je suis là quelque part, là. Attends, là. Ah, ben oui, main dans main avec John. André, John t'apparaît là. Je pense qu'ils t'ont mis à l'empage en plein milieu, fait qu'on voit tout. C'est une bad luck. Je sais pas si vous avez vu, Torta, le Torta face de rat, il s'est collé sous moi, le tabac. Je vois des jambes du coach. Gardez les jambes du coach, pareil. Gardez le coach. C'est carré, hein? Ça a pas d'allure. Il était pioui, ça, cette année-là. Ouais. Ouais. Ça, ces jambes-là, pareil comme moi à Saint-Valentin quand je viens. Je dis là, moi, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire qu'à Saint-Valentin, j'ai mangé des patates douces, c'était bon. Là, hey Steve, on est live? On est-tu comme ouais, on est live. Fais pas ton Yvon Lambert, là. Yvon, il vient sur le show, il s'ouvre 6 bières, il jase. Puis après 15 minutes, il est comme « Ça commence-tu, là? On est-tu live? » On est comme « Yvon, on fait 15 minutes. » C'est Diane qui a ouvert. Non, mais ouais, vous revenez à Steve, c'est ça, on était une bonne gang qui s'entraînait ensemble. On a eu du fun dans les années pareilles. Okay, il y avait plus de Québécois aussi, hein? Il y en a moins, si tu veux pas, là. Il y avait plein. Oh, c'est perdu une oreille, le gros. Fait que, hey, beige, toi, t'as le droit de, quand t'es tanné, tu dis « Salut tout le monde, je m'en vais », OK? T'es déjà en overtime. Quand t'es tanné, tu dis « Salut, boys ». Mais là, c'est-tu une vraie histoire, les soudes de Martin Saint-Louis en playoff, Dédé? Il boit son thé. Ah, c'est le thé glacé, gars. Gars, beige, on t'en a envoyé, gars. L'affaire, c'est que... Ça, non, vous autres. On va aller t'apporter, beige. Hey, voyez-vous vos bières, gars, je fais de la promo. C'est bon, en tabarouette, honnêtement. Ouais, André, c'est juste que essaie de les mettre en dehors de ton 37 pieds d'épaule. Ouais, c'est ça. Hey, il y avait une petite fourmi, je l'ai tué sans attendre. Hey, fait que c'est ça, pour revenir à l'histoire de Beach, c'est ça. Beach, Biggin. Ça a commencé quand on gagnait, mettons, le Tortorella, il arrivait, si Torta face de rat, il arrivait dans la chambre, il donnait le line-up à un joueur, peu importe, là, dans la chambre. Puis quand on gagnait, c'était tout le temps lui qui refaisait le line-up. Puis là, un moment donné, c'était moi. On a gagné, mais j'ai pris mon rôle quasiment plus sérieux qu'aller jouer à la game après, tu sais. Fait que là, c'était rendu que j'ai commencé, mettons, un moment donné... Je fais le starting line-up, je criais, je fais des danses, des splits, on gagne. Bon, c'est là, un autre, la game d'après, une autre affaire. Là, c'était rendu, je venais au game, je suis allé, qu'est-ce que je peux faire? On est en Caroline, sur la route, j'emprunte le petit code du gars avec une cigarette. Il dit, do you smoke? Can you find a cigarette? Fait que là, j'avais la cigarette dans le coin de l'œil. Avant la game, starting line. All right, guys, enough. We got Happy Bowling. Les gars, tu sais, j'ai la cigarette dans la main. Les gars, ils trouvaient ça juste drôle. Qu'est-ce qu'on gagne? Ben, nous, on a une petite séquence. T'as-tu embarqué dans le warm-up avec ta cigarette? Ouais, c'est ça. Allumé en plus. Dans la Ligue américaine, tu l'aurais faite, hein? Hey, Carolina, make some noise! Les rednecks en NASCAR là-bas. Là, les estrades et les win and dance. Ça avait l'air d'un centre d'achat, hein? Carolina, tu sais, je pense qu'on va aller au Gap. Oh non, c'est une arena ronde, c'est comme un vaisseau d'E.T., mais en tout cas. Fait que là, on passe une seconde, un moment donné, évidemment, on perd. Fait que là, les gars, non, André! André's doing it till the end!
Or Andre's doing it again, tu sais, peu importe. André le fait encore pour les ceux qui restent à Matane, qui ne comprennent pas l'anglais. Fait que là, là, je commence à me mettre dedans. Si là, un moment donné, j'amène un masque à Michael Jackson. Hey guys, c'était des affaires. Puis là, un moment donné, j'ai décidé que je me suis déshabillé après le warm-up. Je vais mettre le saut à Martin. C'est à Perrin ou Martin? Peu importe, il me faisait pas bien, bien. Je rentre dans le saut, tout ça, super tight. Les pantalons, man, j'avais le califourchon. Mais là, j'arrive à genoux, je m'étais tapé les souliers aux genoux, je m'étais tapé pour qu'ils tiennent, fait que je rentre dans la chambre à genoux. Les gars pleuraient, les gars, tu sais, on s'en va jouer une game, là. Fait que je faisais le starting line-up. Dan Boyle on defense! Marty St. Louis en avant! Andrew Chuck! En tout cas, les gars, là, je vais à l'aréna, je sais qu'est-ce que je peux faire? J'essaie de trouver un moment donné, j'ai tapé trois camps ensemble. J'avais mis un chandail 33 avec du tape Chara, tu sais, mais j'étais rentré dans la chambre avec trois bâtons tapés. Je commençais à faire Chewbacca, tu sais. Le Charon s'entend, il est à shape à la Tour Eiffel. Les gars, Saint-Louis, lui. Regardez! OK, il va te changer, mais on va t'habiller! C'est ça que je disais aux gars, les. Saint-Louis, là, c'est le gars le plus sérieux au monde, mais quand c'est le temps d'avoir du fun et de rire, il est capable de séparer, il est capable d'avoir du fun pendant qu'il est sérieux, mais quand c'est le temps d'être au sommet de là, je veux gagner, Steve. Non, tellement, Martin, là, tu sais, il y a l'image qu'il projette, mais tu sais, c'est un gars sérieux, il est préparé tout, mais comme Steve, il dit, là, il aime ça avoir du fun, il aime ça rire, il est ricaneux, là, et... en embroyé, il en a des larmes, des fois. Quand toi, tu me fais rire en crise ce soir. Hey, l'histoire du biscuit dans le cul dans l'avion, c'était Martin, Steve, qui m'avait dit, hey, la gros, fais de quoi, je l'ai déjà compté sur le podcast. Mais ça, je l'ai fait de Martin. Martin, il m'était reviré, il pleurait. Ah, ben, là, des high five dans mon. Le biscuit, t'avais été porté à Tortorella après, ça? Hey, Thor, do you want a cookie? J'avais du chocolate chip dans le cul partout aussi. Un double dip en plus. Mais c'était chic. C'était... Détendre l'ambiance. Mais c'est ça. Fait que j'avais pris mon rôle un petit peu trop. C'était rendu de ça. Fait là, je pense à ma game aussi. Après, j'embarquais. Puis voilà, je focus sur. Mais c'était mon petit 5 minutes, mettons, de foufou. Là. Mais tu sais, quand après je savais que. Je me pourquoi Tortorella, t'aimais pas. Ben, non, mais c'est une bad luck. Il en avait entendu parler. Les gars en parlaient. Puis ils disaient non, André, Chris, c'est hilarious. C'est drôle. Si Dundee. Toi, tu aimais ça, ça. Mais tu sais, tant, on gagnait des games, si on les perdait tous, il aurait fait OK, un off, là. Mais tu sais, là, on était sur des belles séquences. Il aimait ça, là, tu sais. Une fois, t'étais à mascotte, aussi. Un peu, je faisais Thunderbug à Tempo. Puis, quand j'ai passé devant le banc, c'est-tu chip, ça, le gros? Toi, t'as dit la tendresse, mon tabac! Le carbo. Hey, toi, roi, ta gueule, là, tu t'es tué! On reviendra pas sur celle-là, mais non, c'est ça. Ben, hey, j'ai tellement eu peur, le gros, là. Une semaine de temps. Non, mais moi, j'étais craqué, puis comme ça rec, là, ce chiffre-là, je voulais le tuer. Ben, deux semaines avant, je l'ai dit, j'ai sorti jusqu'à 5 h du matin avec mes chums. J'étais de même, petit, ben, sideline, side. Elle n'a pas dormi gros, là. Ben, comme le... Après, hey, comme le docteur qui a réglé le nez à Steve. C'est ça. C'était blindside. Justement, tu sais. Bon, tabarnak, c'est de ta faute. Je sais pas. Je sais pas si c'est le même docteur que Yann Laperrière, il a fait de la job. Mais... hey, salut les gars! La fille sérieux, hein? Son nez de l'air avec le rideau, man. Hey, on te salue, la fille! C'est ça, hein? On a eu des coupeurs, des bobos. C'est ça le métier, jouer au hockey pro, pas de visière. Hein? On jouait pas de visière, nous autres, hein, Steve? On était des vrais. Ben, exact, Steve. Moi, je peux te dire, il y avait une crise de longue.
Des situations. Hey, Magan, pas ça, belle face de même. Je suis nombril, si tu l'avais mis. Belle face de même. Avant d'arriver à ton nombril, t'avais une bedaine, tout ça. Pas grave de pencher la tête. Hey, c'est pas drôle, si quand on allait au Pissouat, Guillaume me disait, Steve, veux-tu me l'amener? Je la vois pas aussi. Ah, Simon, c'est un autre bout à couper, ça. Ah, on n'est pas en direct. On ne sait plus. On sait plus. On attend Yvon Lambert. Il serait écœurant, et puis il arrive. Hey, mais ouais, Yvon Lambert, ce qu'il pourra faire dans votre show, mais que vous soyez ensemble, c'est Just to buy my love, juste pour ça en arrière. Il s'en va, son show, il est fait. C'est une 15h24. Oh, merde. Bon, tabarnak, ça, du petit glacé. Là. Ah, il est glacé, hein? Il est dangereux. Mais tout ça va revenir, ouais, Martin, sérieux, tout ça. Puis, Tu le vois comment comme coach, André? Non, j'aime ça. Tu sais, pour être plus sérieux, là, on a eu du fun, ça. Non, ah, ça va revenir, ça va revenir. Ouais, ouais, non. Pas besoin d'être sérieux à soi. Non, pas un petit peu. Non, mais pour vrai, je dois admettre, quand j'ai entendu comme tout le monde la nomination, je ne sais pas, je ne vous ai pas entendu avant, mais moi, je savais qu'il parlait avec des équipes. Son nom circulait comme assistant DG ou même conseiller, tu sais, Players Development, des affaires, des rôles de même. Coach, plus ou moins. Mais là, coach à Montréal, autant comme tout le monde, j'allais même appeler. Je vais c'est juste des rumeurs, ça? Fait que quand j'y ai parlé brièvement, ben là, tout le monde l'appelait. C'était le free-for-all. Ça mais a là, sorti. André, ouais. Tu dis que, tu sais, ils font un grand ménage, là. On ne s'en cachera pas. Puis non, et ils veulent congédier, youpi. Oui, ben oui, je pourrais. Je pense qu'elle saute et te fait très bien. Ah, oh, il broillerait, c'est le même gars, c'est un bout. Là. Il oh, oui, ben ils sont deux ou trois, mais oui, le même. Ben, il faudrait qu'il en fasse un, la grandeur à moi puis Guillaume, on pourrait alterner, moi puis Guigui, mais. Non, Guillaume, mais... il y a déjà le saut à grosse douceur au McDo. Mais, non, c'est hey, ça, on parlait de toi justement. Là. Ouais, que si vous disiez de bien. Ah, rien, ok. Mais non, mais c'est ça, je suis con. C'est ça, il manque un bout qui me fait chier. Là. Oui, arrive de là aussi. Si, c'est bon. Chris ouais. André, elle t'est glacée. Chris, ça se passe ça. Ou si t'es glacée, je vais te trouver. Bon, OK. Fait que là, je veux prendre un petit peu plus sérieux comme avec Marc Denis. Non, hey, d'après moi, ton dictionnaire. Ton dictionnaire n'est pas aussi évolué. Là, oublie ça. Hey, je connais pas un gars de hockey qui a le dictionnaire Marc Denis. Non, c'est pas trop. Ben, moi, j'en connais qui l'ont, mais ils l'utilisent pas. Mais écoute, c'était la question, Maxime, il y a 22 minutes par rapport à Martin, là, je me rappelle plus. Ah, André, ça va bien. Parce que j'étais surpris, puis tout ça, puis son nom, t'as n'importe pour parler, il restait, il regarde bien des games, fait que là, il est arrivé. J'aime ça, c'est ça qu'on était rendu là. Oui, j'aime ça pour vrai, puis c'est plate pour Dom Ducharme. Honnêtement, là, ouais. I feel for him. En français, c'est « je sens c'est pour toujours lui ». C'est toujours pas le fun, surtout quand c'est un Québécois. Moi, je sens pas peu. Non, mais tu sais, c'est plate, parce que Dom, tout le monde l'a dit, tu sais, il y avait un esti d'alignement à mocher, faut pas être caché. Edmundston, Price, Weber, même Perry. Loin, tu sais, c'est ça. Fait que c'était top de faire ce qu'il y avait avec, mais on le voyait que les gars répondaient pas à l'appel, les dégelés de 8-1, 8-2. Aucun pride. Toi, t'as fait une montée de lait, Max, 20 couple de semaines avec Petrie. Asti, j'étais content que tu avais tellement raison. Ça, Pétro, on va en reparler dans 10 minutes. Avec ah, on peut y aller dessus, là, je suis prêt. mais pour vrai, les trois matchs, je les ai regardés. Tu sais, c'est Martin, je voulais voir, mais j'ai vu. Puis je sais qu'un nouveau coach qui arrive, il y a tout le temps. T'sais, ça a un impact, veux pas. T'sais, tout le temps, les gars, tellement. Mais là, c'est de voir si ça va durer. Mais dans les trois matchs jusqu'à présent, je trouve qu'ils jouent un peu plus agressifs, sont plus impliqués. L'échec avant, tu sais, avant, ils regardaient, je trouve. Il y a une petite. Tu vois qu'il y a un petit quelque chose qui se passe tranquillement. Des games, ouais. J'ai-tu ouais, droit de poser des questions, moi? Ouais, tu fais ce que tu veux. Vas-y, Steve, tu peux faire ton char. Oui. Souviens-tu en 82, Esti, lorsqu'on est allé aux Aleuses, moi, plutôt magasiner des sauts de.
Non, sérieux, c'est ça. Il était pas lui, là. Il en a plus de dialogue. Non, en 82, oui. Martin, c'est ton chum. Et moi, j'ai... Écoute, ce que j'ai dit tout à l'heure aux boys, puis j'ai dit toujours, là, c'est que... Tu sais, moi, je l'adore, puis c'était un esti de gars. C'est une des meilleures têtes de hockey que j'ai joué avec dans ma carrière. Esti, c'était un malade. Là. Le hockey sense, là, il... c'est facile pour lui. Mais entraîneur, c'est une autre chose. Puis je le sais qu'il va devenir un esti d'entraîneur de hockey. Il va devenir un top, puis il va devenir... Esti, c'est sûr et certain, ça, c'est écrit dans le ciel, là. C'est pas un GM ou whatever. Mais présentement, tu sais, il coachait Pee-wee. Il a pas d'expérience. Hey, ça me gosse. Non, mais attends un petit peu. Non, ouais, attends un petit peu. Laisse-moi aller. Non, mais tout le monde l'a dit ça. Là, oui, mais ben, attends. Moi, mon point, ça, moi, ça me dérange pas. Mais c'est juste le fait que tout ça se passe à Montréal. Moi, j'adore Martin. Ouais. Tu sais, ça se passe à Montréal. Puis Montréal, c'est fucking tough. Là. OK, on va s'entendre. Là. Que tu regardes l'année passée. Le meilleur exemple, là, c'est on vient de le vivre, nous autres, là, du charme. Asti, ils ont été à la Coupe Stanley. Là. Ils ont perdu en finale de la Coupe Stanley. Cette année, tu perds Weber, tu perds Price, tu perds Edmondson. Ça, là, écoute, tu n'as plus de fondation, là, zéro puis une barre. N'importe quoi. Corey Perry! Ben oui, ben sérieusement, c'est un Dano, leader, ça. Là. Dano aussi. Dano, Perry. Dano, ben Perry, on dirait ce qu'on voudra de lui, là, mais c'est un leader. Lui, les gars l'adoraient, puis lui, il regroupait les boys. Là. Ouais. Mais. Écoute, tu fais tout ça, là. Il n'y a pas un entraîneur sur la terre, name it, là, qui aurait fait meilleur que ça. Puis, moi, je pense que la seule affaire qui a coûté la job à Ducharme, c'est son inexpérience. Il arrive du junior, puis tu sais, je pense que tu peux en parler, là. Tu sais, tu es un joueur, Chris, tu fais 10 millions, 5 millions, 8 millions par année, là. Tu es un joueur, ton entraîneur, il n'a jamais joué pro. Ton entraîneur n'a jamais coaché dans la Ligue américaine. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a coaché dans le junior majeur. Après ça, il est tombé assistant coach dans la Ligue américaine. Je pense que lorsque ça va mal, avec des grosses têtes de même, des vedettes, parce que, tu sais, des vedettes, il y en a quelques-unes, c'est pas toutes des vedettes dans le Canadien, on va s'entendre. Là. Oui. Mais, c'est ça, ça va pas bien. Là, oui, l'an passé, puis j'ai dit aux boys, il y a des gars, quand Ducharme était assistant coach, je disais, ça, c'est sûr, c'est notre prochain, c'est le futur entraîneur-chef, il est écœurant, tout ça. Mais lorsqu'il il a tombé entraîneur-chef, là, ça va pas bien. Lagoue a débarqué, il est allé par là, le Bessic est allé par là. Je pense qu'il y avait un manque d'expérience. C'est-tu la même question, là? Oui, c'est pas la poche bleue, c'est le batte rouge. C'est ce qui est capable. Oh, ouais, la batte rouge. Regarde un petit peu, là. Si vous voudrez, on va le choix. Allez, vous allez, boys. Mais tout ça pour dire que. J'ai un petit peu peur de ce côté-là, Martin, mais moi, ce que je pense derrière tout ça, c'est que peut-être que Martin, il y a quelqu'un d'autre qui s'en vient comme entraîneur-chef. Moi, j'aime, tu sais, je fais mes marionnettes, là. Ouais, il y a quelqu'un d'autre qui s'en vient comme entraîneur-chef. Martin va être assistant-entraîneur pendant un petit bout, puis après ça, il va devenir peut-être entraîneur-chef, mais c'est ce que je pense, parce que Chris, tu peux pas mettre même si c'est un Hall of Famer, même si c'est un gars, des meilleurs, sinon le meilleur que j'ai, Hockey Sense, là, qui arrive, il fait un petit bout, il a entraîné, puis oui, puis ça, on s'en fout, c'est pas grave. Mais à Montréal, arriver, puis le garrocher, excusez-moi du terme, le garrocher dans la fosse au Lyon comme ça, c'est ça que j'ai peur, même si j'ai confiance en lui. Mais tu sais, j'ai lu des affaires par rapport à ça. Tu sais, Wayne Gretzky, qui était le meilleur joueur de tous les temps, est devenu coach à Phoenix, ça a été un flop, blablabla. Mais Gretzky, là... C'est pas pareil. C'est pas pareil. Il arrivait à l'aréna, il n'y a même pas rien de préparé. Lui, il arrivait à Wayne Gretzky. Là, tu sais, avec un good game. Martin, je te le jure, tu m'as parlé, Steve, c'est un freak. C'est un éponge, il veut apprendre, il prend toute l'information, mais il l'a fait toute sa carrière, puis il est encore recru entraîneur, mais moi, je pense qu'il va juste devenir meilleur.
Puis j'ai aimé sa réponse. On lui a demandé en conférence de presse, Martin, t'arrives du club. Coaché Northeastern, il a dit, moi, là, l'expérience, c'est pas, j'ai joué, il y a 1130, ouais, whatever game. Hey. Il dit, j'ai joué ça à 4, ça à 3, j'ai été un All-Star, j'ai joué ça à First. T'sais, je prends tout ça, les coachs, j'ai joué pas. J'ai joué, il a dit aussi, je pense, que j'ai joué avec Steve Bégin à Saint John. Ouais, il avait dit ça, il a dit c'était le pétain. Je pense qu'il a dit aussi, comme les Russes, je suis venu pour apprendre. Oui, c'est ça. Puis Marussia, avec Gilles Bilbo, a dit Gilles, je vais passer à l'aide. Non, mais Marussia. Non, c'est con pour les jeunes qui sont tout perdus dans le podcast. Ils n'ont aucune idée de quoi qu'on dit. Tout ça pour dire non, mais. Ça roule en hostie de batte rouge, en tout cas. ça roule en hostie, ce podcast-là. Hey, on va voler ton show. C'est fini, la poche bleue. J'adore ça. Le bat rouge. Mais là, vous en alliez péter les plombs sur, je pense, Steve, sur Petrie. Là. Puis là, il y a des gens qui disent qu'on est trop ça, dur. Je sais pas si je veux dormir à soir, Calvaire. Lui, là, ça, c'est un coach killer. C'est un coach killer. Regarde, le fait, c'est avec du charme. Il n'a pas donné de chance. T'sais, explique aux gens c'est quoi coach killer pour ceux qui s'en demandent. Un tueur d'entraîneur pour les gars. C'est un gars qui, genre, quand il ne veut plus jouer, il décide de bouder, il ne se donne plus. Puis là, le coach, il paye. Comme Carrie, quand il a regardé Terrien au BAB, il a fait « Ah ouais? » Puis Mike a perdu sa vie. Non, ça, c'est Patrick Roy avec El Bleuet. Mario. mais c'est vrai que Michel Terrien, c'était la même affaire, Anastie. Ouais, mais c'est ça. Tu sais, Petrie, il a fait ça avec Dom Duchamp, j'avoue. Là, moi. Mais tu sais, Jeff Petrie, c'est un excellent joueur, tout, puis... Je sais, le monde dit, hey, on ne sait pas ce qui se passe dans sa vie personnelle, sa famille, sa vie. Oui. Mais on est quand même payé pour être un athlète, il est bien payé. Exactement. Tu te présentes, peu importe, on a tous des problèmes. Hey. Moi aussi, des fois, il y avait des moments qu'il se passait des choses, puis il fallait pareil que je vienne jouer le soir puis que je me présente. C'est juste ça. Mais tu sais, ouais, mais Dré, quand tu jouais 4 minutes, c'est plus facile. Est-ce qu'il en jouait 25? Ça, non. C'est vrai. Ça, à Montréal, mais, écoute, je sortais jusqu'à 5 au radio. On a toujours dit. Radio, kill the radio. Vas-y, c'est quoi? Hey, c'est pas sérieux en soi. Les gens dans le char vont faire ça. Man. Je pense que c'est très bon. Les gens vont être bien corrects, André. Non, mais sérieusement, là, tu sais, Petrie, c'est ça. Lui, là, quand ça va bien, il joue. Quand sa game va bien, tout va bien. Mais quand elle va mal, il se retourne vers le coach, c'est le coach, il n'est pas bon, il n'y a pas d'expérience, c'est un ci, c'est un ça. C'est ça un coach killer. C'est quelqu'un qui ne va pas se... C'est pas un leader. Là, un, quand aller il va bien... Aller au pour l'entraîneur, c'est... là. Ben, c'est ça, on l'a remarqué l'année passée, quand ça allait bien, là, l'équipe allait bien. Mais aussitôt que lui ne va pas bien, l'équipe ne va pas bien. Puis Chris, c'est jamais de sa faute à lui. Mais lui, c'est un gars que... On va se le dire à nous autres, parce que c'est sûr qu'ils ne nous écoutent pas. Là. Pas lui, soir, il y a le show de Red Bat. Pas de soir. Pas de soir. Non, il écoute en différé, lui. Il y a un few, il est joué de main. Là, Ces deux pizzas, dernier game, c'est moi, un vétéran. Ouais. Tu lis, tu bandes, on apprend ça. Ah, mais c'est, oui, de la faute à, c'est de la faute à Lekkonen, la passe dans le centre. Là. Il n'a pas allongé son bâton de 8 pieds. Ah, Chris. C'est ça, OK. Ouais. Mais avez-vous vu aussi... Comment que les médias essayent de faire parler Martin puis qu'il embarque pas là-dedans. Il embarque pas. On peut pas le pogner. On peut pas le pogner, il y a Chantal. Chantal. Ouais, c'est quoi le mot pour... Les tranches. Hey, les tranches. Oui, les tranches. C'est quoi une tranche? Ben, trenches. Je vous regarde les deux, là. C'était ça, les trenches. C'est quoi les trenches, Chantal? Les tranches. Oui, oui, c'est ça. L'autre fois, il a demandé, c'est quoi, à Condador? Je ne sais pas, c'est quoi le mot? Là, il était là, Chantal, il répond, puis lui, là. T'es sûr? C'est sûr qu'il est aux États, ça fait des années. Il est même pendant 40 secondes, il est tellement tardant. Ben, c'est ça, Martin. Tu sais, il est vrai. Il est honnête, il est vrai, exact. Il est honnête, il est vrai, puis c'est ça que le monde va aimer malgré tout. Est-ce que c'est le type de personnalité qui va snapper un moment donné? Parce que là, il vient d'arriver. Ouais. Là. Il va-tu pogner une heure? Oui. Ben, ouais. Pas devant les médias, je penserais pas. Non, si pas devant les médias. Il va être vraiment rendu à bout là, comme Burge à la fin, là, Marc Bergevin, qui tu prends sa photo là, 10 ans, puis à la fin, avec sa barbe blanche, ses cheveux faits comme... Oui, mais il y avait des gros pipes. Comme,
On l'a fait à Poche Bleue, nous aussi. Max, il y a 11 mois, puis Max aujourd'hui. Il est pas blanc, mais... Max, il va falloir que tu changes tes sauts, tu commences à être... Mais j'ai déjà planifié pour dedans 6 mois. Non, mais t'as-tu dit... Non, t'as-tu dit... parce que le monde, il me dit ça, moi, je dis... C'est parce que la télévision, elle rajoute 30 livres à la personne de fond, il saute. Pas au soute. C'est très vrai. Pas au soute, juste à la personne. Ah, mais là, j'ai trouvé le truc, c'était, je fais juste bouger le bouton vers la droite. Ah ouais, c'est ça, à droite, pas à gauche. Tu gagnes un demi-pouce, ça va. Mais là, moi, depuis tout à l'heure, je me vois sur l'écran, je suis maintenant en tabarnak, je veux bouger à gauche. Je bouge à droite, là. Ouais, on voit juste comme ta tête en bas, on n'est pas sûr si c'est Rachid Badouri ou... C'est merci, Matt, le gros. Martin, il snappera pas, je le vois pas snapper. Non? Mais admettons, je vous pose une question. Vous étiez deux guerriers, vous avez payé le prix à mort toute votre carrière. Quand vous voyez, admettons, cette année, ça va mal, il y a 1000 blessés. Ça vous fait quoi, ça, vous autres? C'est le Canadien de Montréal, c'est drôle, là, tout le monde est blessé. Moi, je veux signer, ben aller jouer là. Moi, je veux qu'ils me signent une game quand ils vont jouer contre les Oilers. Moi, ils m'ont montré à Petrie how to take care of Zach Cassian. Je veux le faire, ça. Ça, c'est un bel exemple. Ça, c'était écœurant, là. Mais tu sais... Tu sais, André était là... André était là pour ça. Je connais ce bat. Salut, Zach. Ça, tu viens-tu faire comme Zach quand il a pogné l'arbre? Sacrément! Non, ils vont échanger pour Nick Deslauriers. Deslauriers s'en vient à Montréal. Ouais, il devrait venir, lui. Ouais, pas le choix. Chris, il était ça. Ouais, mais il l'a envoyé. Oui, c'est Chris. Il reste, c'est rare qu'ils vont rechercher. Je pense que à moins que Steve fasse un quatrième comeback, là, peut-être. pourrait... Non, je. Ah, en plus, il y a un ange Steve bionique. Hey, je l'ai, gars! Non! C'est le mien! Mais les gens dans leur voiture vont faire, c'est quoi, pourquoi ils rient, mais c'est ça. Vous irez le voir en vidéo. T'as-tu moi ou Benoît Guillaume quand il joue? Non, ça, c'était Dave Andrichuk à la fin. Attends une minute. Ouais, t'as imité Guillaume toute sa carrière, est-ce-tu? On est dans notre... Ferme-nous ta gueule un peu. Max, t'as pas des questions. Attends une minute. On est dans la zone adverse. Est-ce-tu, on joue. Est-ce-tu, il faut batcher Guillaume qui patine. Il regarde l'entraîneur. Hey, check-moi aller, là! Un back-check! On peut-tu mettre une lumière? Max, c'est ça, tabarnak! Ah ouais, il y a quelqu'un du temps là-dessus! Hey, moi, j'étais assis là, je le checkais, je disais, est-ce que c'est tabarnak? Check-donc, où est le crise de fuck, là? C'est le podcast, le bat rouge, pour vrai, soir. Il a pris le contrôle! À soir, c'est le bat rouge en crise! Hey, Face, tu te rappelles-tu de ton back-check à Atlanta qu'on avait fait reculer? Hey, ça, c'est carré. Ça, je m'en rappelle. Ça, je broyais, moi. Mais c'est Sakou qui avait dit Carbo, can you go back? Hey, le gros. Ça n'a pas passé à ESPN, ça? Non, merde. Ça devrait. Hey, André, je suis le premier en back-check. Attends. Ouais, là, c'est ça, l'autre bord. J'ai fini dernier. Là, vous faites du vidéo, puis là, vous dire. Non, mais je pars. Je suis premier. Hey, André, ça a pris, no joke, ça a pris 3 minutes de traverser l'écran. C'est une télévision 16 pouces. En plus, on est gars, il est fort. Ah oui, il broyait. Écoute, dans l'écran, André, il n'y a pas personne à part Asti, Max, Guillaume. Après ça, oups. Mais Guillaume, c'est le seul qu'on voyait plus dans l'écran à la fin. J'étais là! T'étais-tu allé au Cheetos la veille? Ou... Je sais pas ce qui est arrivé, mais en tout cas... C'est-tu ce game-là? Tu m'avais volé ma pizza le matin. Hey, Dandy, il voulait pas que je mange plus que... Il voulait pas que je prenne un bol de crème glacée. J'avais juste le droit à un palais. Un palais? Il venait me voir. Dandy venait me voir et il disait... Juste un palais, Guillaume.
Là, je prenais une crème glacée, me mettais un palais. Si, hey, lui, il faisait sa bouffe, lui. Hein? Hey, lui, là. T'avais-tu peur à Atlanta? T'avais-tu peur de Jeff Rogers avec son Breeze right sur le nez? Pas joué contre Jeff Rogers. Ah, okay, non, non, André, 34 ans, moi. Hey, t'es pas là, Rogers? Hey, le gros, j'ai joué avec moi sur, hey, à Calgary sur le face-off. Il me regarde, dit. Son pile de même, si son ah, ouais, son Breeze Right, tu sais, il avait son bandeau. Chris, il regarde, il dit. Ben non, il n'y avait pas un. Il... Hey, ah ouais, il y avait un. Oh, il me regarde. C'est comme il était pas grand non plus, là. Il était pas grand non plus, là. Non, 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 non. C'était sérieux, il me regarde. Plus que Martin. You wanna go? Je suis là, le mec. Donne-moi un chiffre, là, l'eau doué, là. Where are we going? Il était peurant, sérieux. Il ne sait pas jouer au hockey, lui. Dans ce temps-là, il y avait encore des joueurs de même, mais c'était 0-0. Il n'y avait aucune idée qu'il y avait une rondelle à l'as. Martin, non, mais je ne vous ai pas entendu beaucoup ce soir. Guillaume et Max, vous autres, l'arrivée de Martin, hey, c'est quoi le bateau? Comment? C'est le style bateau, j'espère. Ben, moi, je vais te le dire. De non, mon... moi, c'est la couille mauve. on a le bateau, la couille mauve, la poche bleue. Mais moi, André, de mon non, bord. Pour vrai, êtes-vous enthousiaste ou vous êtes comme mais moi, ça... monde? Ben, j'ai vu beaucoup de négatifs parce qu'il n'y avait pas l'expérience. Moi, ça m'énerve. Moi, ça m'énerve. Ouais. Ça. Je ne veux pas manquer de respect, là. Puis je comprends que coacher, il y a un timing, il y a des préparations, tout ça. Moi, je suis pas capable dans ma tête. Puis encore une fois, je tiens à préciser que je ne veux pas manquer de respect. Qu'un gars comme Martin Saint-Louis, qui a joué 1200 matchs dans la Ligue nationale de hockey, son expérience est moins bonne qu'un gars qui a coaché 10 ans junior. Hey, Max, by the way, là, je ne sais pas. Moi, c'est pas ça que je dis. Là. Non, non, je sais. Conor McGregor. Je sais, il va être un nasty coach. Mais moi, ce que j'ai dit, c'est la situation présentement. Non, non, ça ne rapporte pas avec toi. Là. Ça rapporte avec le monde. Non, je sais, mais je veux juste rectifier là, parce que c'est sûr qu'il y en a des. Il y en a non, qui, ouais, qui non, mais Steve, vont... Steve, ton opinion, je suis 100% d'accord avec toi. Parce que moi, j'entends qu'il y a des entraîneurs, la clique des entraîneurs ne sont pas contents. Tu sais. Ben non. Non, mais moi, je trouve ça. Honnêtement, j'ai beaucoup de respect pour Martin, puis je pense qu'il va être un excellent entraîneur. J'ai aucun problème avec ça, mais je trouve ça plate pour les gars quand même que ça fait 20 ans qu'ils font ça. C'est. Nonobstant de tout ce qu'on dit, il y en a beaucoup de gars pareils qui Chris, ils ont fait des raids d'autobus à manger du poulet fret. Puis, est-ce que le monde a réagi pareil quand Gretzky était nommé coach après sa carrière? Ben, c'est pas correct. Mais c'est pas pareil. T'as un gars qui n'a pas travaillé comme Martin Saint-Louis, là, Gretzky. Là. Attends un peu. Gretzky à Phoenix, il n'y a pas un esticha qui savait c'était qui. Juste pour te dire, là, les estrades. Ah, c'est un gros marché ici. Là. Qui ça, t'as dit? Gretzky. Hey les boys, on met sur pause. Time out. On prend pause au Bat Rouge. Ouais, mais c'est ça. On veut justement présenter le Bat Rouge. Vous avez votre logo. C'est prêt. On est prêt. On est en mode Bat Rouge à soir. C'est correct. Bat Rouge ce soir. On peut faire un segment Bat Rouge à tous les épisodes. Hey, c'était Bat Rouge. Ben, Chris, j'espère qu'on passe. Simon, peux-tu mettre le logo Bat Rouge, s'il te plaît, à temps plein? Ah, ben, non, mais je veux juste mentionner que le logo, il y a un problème, le Bat Rouge, parce que si ça marche avec André, le logo, il faut qu'il dépasse du. Ouais, un petit peu. Ouais, mais parce qu'ils ont moyenné avec moi. Ouais. Ben, ils ont fait de la moyenne avec Steve. Puis Guillaume. Des frères. Allô, Steve? Salut. Là, hey, Steve, il emmenait sa fille ici dans la chambre. On allait se la. J'étais tellement là, j'étais comme crime, mais c'est gênant pareil, là. Elle s'assoyait, tu sais, il était comme là, à 8 ans, gros, rien là. Comme... Inquiète-toi pas, elle voit rien, si Chris, même moi, elle ne voit pas. elle me disait, là, papa, c'est drôle, la petite fille là-bas, elle a une barbe. By the way, ma fille est jamais venue des douches. C'est un effet. Ça, c'est chien. C'est une petite fille là-bas. Elle a des seins et une barbe. Elle a une barbe en haut. Elle m'a dit, elle m'a mis tout de suite lui donner de l'argent. Ah, c'est une épée!
savais pas qu'il y avait des filles dans la Ligue nationale. Ben oui. Il dit non, non, c'est elle qui fait des massages. Oh. Non, Steve, il m'embarque pas là-dedans. La petite fille là-bas. Mais, Guillaume, où t'es allé chercher, mettons? C'est où, mettons, dans ta tête que le cheminement s'est fait? Puis t'as décidé de dire, Steve, il emportait sa fille aux douches. Hey, c'est le bateau rouge, ça me fait pas. Ça me fait pas le bateau rouge. Je suis déstabilisé, les gars. Excuse-moi, t'es malade. De où ça sort de ça? Puis sa fille, elle allait tout faire les résumés de ce qu'elle avait vu à Amélie après. Fait que j'ai vu le gars, il était. J'ai vu Guillaume. Ah ouais, c'est comment? J'ai vu Samuel. J'ai vu Max. J'ai vu Bob Gainé. Je crois que notre équipe a un bon avenir. Et je... Il y a quelqu'un qui dit « Il va falloir que je quitte le show parce que j'ai une côte de fêlé. Ça y fait trop mal. » Hey, est-ce qui que c'est Gainé? Ben, la fois que je me suis fait prendre ces waivers par Gainé, il a dit, il faisait une semaine qu'on jouait tout ça, il a dit aux médias, écoute, il y a des gars comme Steve Gébin qui est dans le son Steve Gébin! J'ai bien ça apprécié. Il a mangé le monde et perdu son dent. Son dent. Et après ça, il a été joué contre les Lightning Tampa Bay. Ils sont fait laver. C'est-tu en 2004, ça, tes dents? Oui, je t'ai arrivé contre vous autres, une faux face, c'est-tu? Chris, dans le boss, je mangeais de la nourriture blendée. Le chien? Oui, boys. Okay. Non, vous étiez pas là, vous autres. Moi, là, 2006, moi. Toi, t'es encore nourri au biberon. C'est qui que t'avais essayé de geler, Steve, cette année-là, de boss? Bergeron. Pour vrai? C'est... Ouais, Bergeron, il avait tombé vers en avant. Moi, je vais t'attendre d'en face. Là, ça a bébé dans... Ah, mais t'avais dit que t'allais manger les bandes la veille, là? Le matin, j'avais dit à Renaud. Tu peux pas écrire ça d'un film, là. Non, c'est... Je vais manger les bandes. Il l'a fait. T'avais-tu ramassé tes dents ou quelqu'un d'autre l'avait fait? Ou... C'est Brisebois qui avait ramassé deux de mes dents à terre. Ouais. T'es sentiment moi... sur ton oreiller le soir? Sérieusement, je pensais que c'était mon épaule. Piastres. Parce que je pensais que c'était mon épaule, le stick qui avait débarqué, Chris. Jusqu'à temps, je jouais tout le sang à terre. Je l'ai chamaillé, tu sais. Ah non, mais ouais. Les gens se rappellent de ça. Ils vont retirer ton chandail. C'est la seule affaire qui se rappelle de moi. Ils ne se souviennent pas des 4 buts que j'ai scoré esti contre les Mustangs de Kalamazoo, tabarnak. On s'est pas rendu dans nos recherches. Dans une année. Kalamazoo, Melon Goldstad, t'as ça. Ah merde. C'est deux malades, ça. Sérieux, ils n'ont aucun bon moi, nom. Je vais parler d'un. J'en ai une, à un moment donné, quand j'ai commencé à jouer dans la ligue vraiment steady à Ottawa dans le temps, je dérape vers autre chose, je sais pas, tant qu'à compter des histoires. C'est parfait. Je me rappelle quand j'ai enfin fait l'équipe, Jacques Martin. Oui, André, tu fais partie de l'équipe, trouve-toi un appartement. J'étais tabarnak, j'en viens pas, Jacques, je t'aime, je voulais. J'étais prêt à faire n'importe de quoi, le fluffer, whatever. Mais là, si j'arrive, puis... J'ai pas dit ça, c'est pas vrai. C'est pas ça que je voulais dire. Je voulais le coller, le cajoler. Hey, le, c'est de là que le show Red Bat est sorti. Non, mais je m'ai trompé dans mes mots. Ben, là, j'ai bu un peu de thé glacé, l'affaire que vous promotionnez à 7% d'alcool. Mais je comprends pas à toi. Chris, moi, est chaud comme moi dans pas le fond. C'est le même prix qu'on lisse. Fais-moi une guimauve, puis tu m'en donneras dans l'écran.
Fais-moi une demande. Fait que là, j'étais à Ottawa. Moi, je fais la Ligue nationale des team meals. Au début, estime-moi l'épais, je pensais qu'il fallait payer. Ben non, elle dit, le team doit payer, l'équipe payait. Je peux-tu dire, moi qui aime manger, je bouffais, man, elle est en plus finir. Elle m'a amené team meal à Long Island. On était à Long Island, super belle ville, rien à faire, tu sais. Ça part prendre des manches, je peux aller flatter des chiens dans le parc. Fait que là, je suis au restaurant, je mange comme un porc, je mange pour 7 personnes, les mozzarella, 2 filets mignons, 2. Fait que là, on s'en a le boss, mon roommate, c'est Pat Lalime. Tu sais, fait que je connaissais bien Pat. Hey, le lemur, fait que je là. Roommate avec Pat Lalime. Là, on est dans le boss, il est assis en avant, je suis là, ah, tabarnak. Hey, là, ça commence à travailler. Ben, tu sais, quand on mange comme des porcs, tu vas au buffet tout le temps, veux pas. Je sais pas si c'est juste moi, mais moi, ça me fait ça, tu sais. Dans le sud, de Steve, ah ouais, rempli des spots. Là, t'as Guanta qui arrive. Suave Monday, Destiny! Somebody shit in the spa last night. Ben, ouais, pour venir à l'histoire. Fait que là, si je suis dans le bas, je dis Pat, faut que j'aille à la toilette. Dis, hey, moi, tout, je dis fuck off. C'est moi le premier shotgun. Non, 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 ouais, ouais, je dis fuck off, Pat, pour vrai. Tu sais, je suis genre à 8 bancs en arrière. On se lève, Pat, il part courant, puis il rit, je dis mon tabarnak. Hey, fait que là, on arrive à l'ascenseur, il est parti. J'arrive à la chambre, il est dans la porte barrée, mais là, tu sais, quand ça travaille, puis le péteux, il pompe, là. Hey, man, ça me traite. Je dis, Pat, si t'ouvres pas la porte, je chie dans ton lit, je te le dis, là. Pat, pour vrai, ouvre la porte. Là, j'entends juste lui qui rit là au bord. Je dis, Pat, je défonce la porte avec mon pied dans 5, 4, là, il était comme, il déborde la porte. Je sautillais, man, sur place. Pat, 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 pour vrai, tasse-toi, pour vrai. Là, il fait un cri, je le pogne, je le lance à terre, il tombe sur le bord du bain, je me squatte, mon homme. Je fais une dynamite, mais là, ça se plâchait tellement que la lime n'en a reçu sa joue dans le fond. Il y avait de la marque partout. Asti, man! Je partais le chat en poche bleue. Hey, man, je t'ai taché ça. Asti, il a fallu que j'appelle Guanta en bas. Il est arrivé avec la bombe. Non, mais j'avais fait un sacrement de dégâts. La céramique était tachée, man. On dirait qu'il y avait une game de paintball, mais juste avec des volets bruns. OK, c'est le building à terre l'endemain, puis là, on montait. Avec ses pantalons aux chevilles. Pat, il y a le pantalon aux chevilles, c'est le côté, puis il fait rien crier. Puis moi, pendant ce temps-là, je fais des... Fait que tu sais, c'est ça, du team bonding. Cette année-là, on a fini premier, pas pour rien, à Ottawa. C'est tout ce que vous avez gagné. C'est vrai, parce qu'en première ronde, c'était les années qu'on perdait contre pas les gens appréciés. Je n'ai aimé un petit peu. Mais c'était pas autour de ça, mais en tout cas, mais on perdait toujours contre les Leafs, première ronde, c'était ces années-là, malheureusement. Mais tu sais, moi, je l'ai toujours dit, Steve, s'il m'avait gardé à Ottawa, j'aurais amené la coupe dans la capitale, tu sais. Puis là, on klaxonnerait pas juste pour les camions, on klaxonnerait pour la coupe, tu sais. Mais là, pipi, fais pas, hey, fais pas ton dandonneau. Hey, il aurait fait après ça. Il aurait fait après ça tout de suite. J'arrive à l'aéroport. Là, on me dit, fais un test. T'as tête de garçon. Fais mon test. Là, il me dit, t'as tête. T'as pas à faire ça. Là, je reviens. Fais mon test. Ouais, mais peut-être derrière. Mais avant derrière, je reviens. Là, là, pendant ce temps-là, je mesure mon poulet. Je mange un peu de poulet pour ma chaise. Là, je retourne en avant. Il me dit, non, c'est un young go back. Je retourne là-bas. On salue Mathieu encore. Hey, je salue tout le monde à toi. Salut Danny. Non, mais ouais, j'ai vu ça, mais tu sais, moi, j'embarque pas là-dedans. Ça, là, tout le monde a leur opinion. On a le droit à tout. Puis, le bateau, j'en vais pas là. Non, on n'ira pas là. Disons. On va rester avec Pat Lalime. Non, mais c'est legit. T'as le droit. C'est à bord. Le bateau, je suis toujours propre. C'est sûr. Salut Mathieu, hey, Mathieu, prends pas ça mal, on t'aime. Toi, quand tu vois des mineurs, excuse là, tout à l'heure, il y avait une histoire, on en parlait avant le show, moi puis Guillaume. Tu connais-tu Sammy Arrhenius? Excusez-moi, mais les gens qui étaient après souper avec l'histoire de... Mais vas-y, Steve, excuse. Souviens-tu, toi, des mineurs, d'avoir joué contre Sammy Arrhenius, qui était à Saint-Jean? Oh, oui. Sammy, écoute, lick my anus, hein? Hey, oui, exactement. Exactement. C'est comme ça qu'il l'appelait dans la chambre. Mais attends un peu. Hey! 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 Hey, pour les gens en audio, là, faut que vous écoutez sur YouTube. Salut!
Je suis revenu. T'es parti sur le toit que tu veux. Es-tu le gars le plus laid que t'as jamais vu ça dans la ligue? Il était tué. Lui, on dirait. Hey, sérieusement, c'était un Finlandais, là, sacrément. Écoute, moi, j'ai. Écoute, lui, c'était comme s'il était parti à courir pour se baigner, puis la porte patio était fermée, puis il rentre dedans. Là. Il a fini comme Miss Piggy, t'as hey, il est assez innocent, d'après moi. C'est... D'après moi, il est juste rentré dans le mur de Benoît. C'est bon. Oh, il y a le temps, je pense, comme une mythe de baseball de premier but d'André Galagallu. J'ai 18 ans, puis Esti m'invite à jouer. C'est ma première année, si je me souviens de l'année, l'année d'avant. Il m'invite dans les séries, Esti à Saint John. J'arrive là, tabarnak. Moi, il me met. Esti, je t'en pompe. Puis là, t'es allé manger chez eux de la bouffe. Non, 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 t'es un peu. Okay. Il me met Esti, roommate avec lui. Moi, je le sais pas, moi. J'ai 18 ans, on s'en va jouer à Hamilton dans les séries. Si j'étais avec lui, j'arrive, puis je... Sérieusement, les gars m'ont dit, couche habillé, puis couche avec tes souliers. Moi, je suis là, qu'est-ce que c'est, couche habillé, couche avec tes souliers? Écoute, moi, j'arrive là, le premier, j'ai 18 ans, puis tu sais, je suis allé manger, je m'en vais dans la chambre, j'écoute la TV, il arrive, à ce il est 10 heures. Écoute, il se crisse flambant nu. Là, il est lettre, là, il est lettre. Guillaume, toi aussi, tu faisais ça, tu faisais ça flambant nu dans la chambre. Mais toi, sérieusement, t'es moyennement cute à côté de lui. Mais juste te dire, là. Je suis mignon. T'es climatisé dans le tapis, t'es là, mignon. Tu fais du bien. Toi, ah, ben, c'est pour ça son opinion de moi. Hein. Hey, toi, sérieusement, couché, j'irais me coller sur toi. Lui, sacrément, j'irais... Je m'en vais. Tu bâtirais un mur comme un peu Donald Trump de faire. Il arrive dans la chambre, il se crie sur l'embarnu, puis là, je l'entends. Ah, il chouait, lui, hein. Il chouait, je pense. Hé, hey, là, je suis là. Tabarnak, je quel tabac, ce gars-là. Je check. Tabarnak, il crachait partout dans la chambre, en terre, asti. Ah. Sérieusement, je me suis levé. J'ai mis mes souliers, je me suis couché parce que, en plein milieu de la nuit, moi, Guillaume, il sait, moi, je ne dors pas toujours la nuit. Assez moyen. Je me lève, je vais aux toilettes. Tabarnak, je ne voulais pas coucher. Il crachait partout, le tabarnak. Puis, sérieusement, j'avais tellement peur de lui. C'était incroyable. Puis, ce soir-là, la première nuit, Hamilton, les séries Hamilton des années 90, ils ont fait partir comme Michel Terrier, ils ont fait partir la lampe de feu de l'hôtel à 2h du matin. Mais j'avais peur qu'il me viole, le colisse. Mais les Finlandais suédois sont forts sur le tabac tout le temps. Oui, ils crachent ça partout, Asti. Surtout lui. J'étais pogné avec lui à Saint John, c'était grand. Mais moi, j'ai toujours pensé que ce gars-là, c'était un lourdeau, puis il avait donné une permission spéciale de venir jouer avec nous autres, Asti. Ah, pour vrai, hein? Moi aussi, tu parles. Parles-tu d'André, là? Non, oui. Dans les mineurs, j'ai joué avec Mike Hartman. Il a gagné la Coupe avec les Rangers en 94. Mike Hartman. Il a joué à Buffalo. Assez tough. Il me jumelle avec lui. Là, j'ai à peu près 23 ans. Lui, comme à la fin de carrière, il a gagné la coupe. C'est un vétéran rendu d'un mineur. Je suis co-chambreur avec lui. Hey Mike, how you doing? En tout cas, là, on se couche. Dans la nuit, à un moment donné, c'est un gars qui il fait dire. T'as senti une main sur ta hanche? Ah non, c'est moi plutôt. Tu compteras tout à l'heure, ça. Ouais. Non, mais c'est un gars qui fait du. Tu sais, qui parle dans son sommeil, puis tout, là, puis qui fait du sleepwalking. Là, ouais. Il marche dans son sommeil, peu importe. Mais là, je suis dans mon lit, à un moment donné, j'entends crier. Tu sais, il se levait. Ah! Je me réveillais, ça. Là, un moment donné, je me réveille, il criait. Je m'en vais comme vers son lit, puis je vois juste ses yeux. Ses yeux, il est caché entre le mur et le lit, puis je vois rien que ses yeux puis son nez en arrière. Il dit, get down! Il dit, get down! They're coming at us! Descends, ils s'en viennent! Là, je suis comme, tu sais, je suis endormi à moitié. Je dis, Chris, il niaise-tu? Je dis, ah, hey, good one! Il dit, get down! They're coming! Hein? Là, je suis là, Chris, il va rêver. Je dis, hey, réveille-toi!
Là, à un moment donné, il arrêtait pas de crier. Je fais là, Chris Hurty, je tapais des mains. À un moment donné, il s'est réveillé. Fait, oh fuck. I'm sorry, excuse-moi, je tapais rêve. Une autre fois, il se réveille. Je me réveille, il y a un autre voyage. Il fait ça dans le matelas, sur le mur. Il était après se battre. Il après sa fille, à un moment donné, Gabriella! Non! Gabriel! C'est Gabriel, là, je ne sais pas. Hey, ça, c'est un méchant spécial à chambrer avec. Mark Hartman, là. Hey, il faisait des règles de même. Il me rêvait tout le temps sur ça. Je pensais qu'il se faisait attaquer. Ben non, il était après se battre avec son matelas. Ouais, mais il n'avait pas fait la Deuxième Guerre mondiale, lui. Ouais, lui et son grand-père, je pense, c'est ça. Il avait pas de Hartman. Ouais, mais hey, Steve, il y a quelqu'un qui dit bonne animation, Guy et Max, ce soir. OK, hey. On arrête. On retourne au Canada. Non, André, il faut t'entendre. Les gens veulent voir. Non, Guillaume, la Moi, je pense que les Canadiens sont en bonne posture. Oui, c'est Shane Wright, ça sur va un pace bon, de 50 pas, buts, plus 72. Paul Coffey. Attends, le bat rouge. Attends, Steve, attends. On va revenir au draft. Les Canadiens vont repêcher les trois premiers. Shane Wright, si, il n'est pas disponible. Ton Canadien deuxième, qui comprend, les gars, c'est qui, vous autres, vos choix? On va demander aux gens à la maison de vous écrire. Ça va être un gars qui joue pour le bat rouge, c'est sûr et certain. Tu sais, pour jumeler les jeunes s'en viennent, Gouli, bon, je dirais pas une maillot, mais je veux pas embarquer là-dedans. Ils vont-tu le garder, vous pensez, sous... Ben oui. Attends, André, normalement, c'est pas toi qui vas venir mettre du sérieux ici, tabarnak, là. Ben non, mais j'essaie de reprendre Demain. Hey, le monde écrit, on s'en calisse du CH ce soir. OK, hey, tu te rappelles, tu sais, la route dans l'ancien compte, est-ce que à Boston, les gars, Marc Messier, ça, Marc Gagnon, est-ce qu'il y avait Adoune dans la chambre? C'est pas le même dans la chatte, là. Tout le monde pense. Elle faisait des gâteaux aussi. Non, à qui t'as donné des becs, Steve? Des becs? Je sais pas, t'as changé ta vision de caméra. Ah, oh, mais ma plus jeune, ma petite fille, qui est venue me voir, m'a dit bonne nuit. OK, c'est ça, j'ai vu donner des câlins, puis là, la caméra a changé, c'est tabarouette. Oui. Ben, moi et ma femme, on a fini de se donner des câlins, ça fait 25 ans, on est ensemble. Mais, anyway, je vais me reprendre la semaine prochaine, c'est la Saint-Valentin. Hein? Oui, c'est le 21, je pense. Oui, c'est ça. Hey, manquez pas. Hey, parlant de Saint-Valentin, Steve, compte la fois que Guillaume te met la main sur la hanche, c'est drôle, puis du début. Oh, salut, bébé. Écoute, hey, toi, ton co-chambreur, là, il criait tout ça, mais moi, là, écoute, Guillaume est arrivé dans le... J'ai crié! Alice! Où qu'elle revienne! Vas-y, c'est Guillaume Max, les animateurs. Non, non, juste avant, nous autres, on se met sur mute. T'es un peu, là. Juste avant... Demandez-vous de plus, là. Vous connaissez tout André Gamaquier, mais je me suis entraîné quand même un certain temps avec lui, puis assez longtemps, puis on s'entraînait à Rosemère. Rosemère, t'arrivais d'en haut, puis pour venir au gym, tu descendais. Mais peux-tu expliquer pour les gens de la Rive-Sud, c'est à peu près où, Rosemère? C'est à côté de Blainville, pas loin, juste avant, peut-être à 20 minutes du Japon. Avant Tremblant, Saint-Joseph. À 20 minutes du Japon. Ah, les Olympiques, OK. Ouais. Ah. Fait que tout ça pour Beijing. Entre Montréal, Nunavut, là. Oui, c'est ça. Anyway. Asti, on le savait quand il arrivait, parce que Asti, on était sur le squat ou whatever, sur le bench, puis André, il arrivait, puis qu'est-ce que tu criais toujours? Asti. Oui, c'est ça. J'ai le bat rouge. C'est marrant. Il l'entendait d'un bout à l'autre. Ça fait longtemps. Mais Steve Dubé, hein? Steve Dubé, c'était un autre. Ah, c'était incroyable. Lui, c'était un de mes bons. Tu sais, t'as tout le temps... Lui, il mettait du gaz sur le feu. Ouais. T'as tout le temps c'est quoi, un fan. Parle à Chantal. Un fan, mais un... Ouais, non, parle à Chantal.
un de tes grands fans, si tu veux, comme Fleury. Chantal, c'est quoi le mot? André! André! Fleury aussi, je le faisais pleurer. Il dit, je go la soirée, j'aimerais ça finir mon repas, tu sais, mon pre-game meal. Moi, je jouais pas, mon col. Il était rendu 2 heures, il avait pas mangé. Il faisait 45 minutes qu'il était à la bâtisse. Mais là, Steph Dubé était incroyable. Ah, incroyable. Les gars, il embarque avec les boys, puis c'est une coach, là, mais... On a eu du fun avec lui, là, puis ouais. En ayant du fun de même, c'est le fun de s'entraîner. Mais là, excusez, oui, hein, la soirée, j'ai mangé du chinois tout à l'heure. Guillaume, avant la saison, aussi, le gars, le GM vient me voir, puis l'entraîneur, aussi, vient me voir, il dit, là, Guillaume, il arrive dans la ligue, aussi, c'est toi qui vas s'en occuper, il va être le roommate, ton roommate. Moi, j'avais Bouillon, on en a tellement bien, puis on était sur le même pattern, puis tout. Asti, j'ai le jeune, 19 ans, qui arrive avec moi dans la chambre. Aucun clou comme moi quand j'étais jeune, mais lui, il se calisse de tout. Lui, là, c'est la loi du moindre effort. Hey, moi, ça me faisait capoter. Asti, j'étais frustré. Il est bon, le calisse, il est bon. Tout, il arrive, Asti, il score, Asti, il fait des jeux spectaculaires, tout ça, mais il se calisse de tout. Puis, à 20 games, comme j'ai dit tantôt... Il parle pas de moi, André, il parle d'un autre. Hey, en 20 games, il arrivait, si moi, j'étais assis à côté de lui, il y avait un pilier qui nous séparait, puis là, il se tossait en tête de même, il dit, « Tabarnak, Steve, ça me tente pas à soir. » Lui, talentueux comme ça, moi, est-ce qu'il faut qu'il se force le cul, Chris, pour avoir acheté une passe, Steve, dans la ligue? Le tabarnak, il... « Hey, Steve, ça me tente pas à soir. » Là, je le regardais, je le... Ah, femme ta gueule, dis pas ça à moi, Esti. Dis pas ça à moi, s'il te plaît. Anyway, mets ce colon-là avec moi dans la chambre. Là, je suis couché. Ce colon-là? Esti. Un, le gros calice, il couche tout nu. Moi, je suis là avec mes boxeurs, mon t-shirt. Lui, Esti, je le vois se promener, la bisoune qui se promène de même. Hey, wow, wow. T'en parles pas d'André, je parle de toi. Ah, mais c'est ça, femme ta gueule, le monde, là, ça fout. Hein. Oh, ouais, c'est pas grave, moi aussi, regarde, de même. Fait que là, il est couché. Moi, je dors pas dans la nuit, là. Je dors zéro pin bar, asti, je suis là. Le petit colis, il se lève. Il s'en va pour aller aux toilettes, mais il bifurque entre les deux lits. Il se crisse la main direct, tu manges. Hey, là, moi, je suis là, je me tourne, je fais ça. Il s'en va aux toilettes, il ressort. En sortant, je le regarde, je dis « Hey! » Là, il ne me regarde pas, je dis « Hey! Qu'est-ce que tu fais? » Là, il me regarde, il dit « Qu'est-ce que je fais? » Il dit « Mon tabarnak, t'es venu, tu t'as crissé la main sur ma hanche, tu m'as flatté, puis t'es parti, tabarnak! » Le gros colisse, j'avais aucune idée. Je me rappelle, hey! Ça, là, c'est malaisant, là. t'en as parlé souvent, Guillaume. Il me dit, je pensais que tu dormais. C'est vrai. Ah, mais ça, là, hey, man. Sérieux, pense-y, si t'en vas dormir avec un vétéran, puis tu y pognes le cul. Imagine-toi donc, aussi, quand je dormais, qu'est-ce qu'il me faisait? Tu dors-tu? Il répond pas. Hey, non, mais... puis il disait « Bouge pas, Steve, ça prend pas mal. » Puis là, il arrivait par en arrière, puis il faisait « Hey, bouge pas, Steve, c'est comme un vaccin. C'est comme un vaccin, Steve. » Il dit « Bouge pas, je bois de la boîte Voisin. » Ah non, nous autres, c'est juste la Molson X ici, les gars. Faut pas oublier. Mais, chez Combat Rouge, vous aimez la lumière rouge, mais pas nous autres. Guillaume, Max, il sait que je ne dormais pas bien. Si lui arrivait, il faut 10 heures du matin. Hein. Ouais. Puis là, il me disait le lendemain matin, il dit « Chris, j'ai pas bien dormi, je suis arrivé à tout à l'heure. » Je sais, t'es allé au courant. Il allait manquer, c'est ça, il allait manquer. Ben, je suis malade, il dort pas, man. Ben, genre, c'est ça le gars, j'entendais à 4h du matin. Là, les astis d'escalier, je t'ai dit c'était 16 pouces! Avec ça, là, les escaliers, ça a marqué tout le monde. Un autre de même, Pascal Dupuis, asti qui dort pas. Lui, 5h, il est 7. Pas bon. On est pareil. Mais toi, André, toi, tu as eu connaissance de ça quand je construisais ma maison. L'année suivante, j'étais avec ces deux moineaux-là. Mais moi, pendant l'été qu'on s'entraînait ensemble, si je partais, j'allais m'entraîner, je partais, j'allais fucking construire ma maison. Ouais. Tout,
tu sais, je disais à toi, ah non, il faut que je parte parce que j'ai tel gars qui arrive, il faut que je l'aide à faire ci, à faire ça. C'était durant cet été-là, en 2004, durant le lockout 2004-2005. Oh, ouais. Ces monos-là sont arrivés après ça. Puis, j'avais plein de misère, plein de troubles. Puis eux autres, ils me voyaient. J'étais assis dans le lounge, asti. Tabarnak, je t'ai dit de faire ça, asti. Ouais, c'était malade. Hey, je te dis, c'était malade. Je me disais, je peux pas aller dans la chambre avec ce gars-là à soir. Il parle ça à son agent, tabarnak. Hey, hey, je te dis, c'était fou, man. André, juste pour te donner une idée, moi, j'ai joué à Hamilton avec Joël Bouchard, OK? Mon dernier roommate, c'est lui qui construisait l'aréna pour l'Armada. Il faisait toutes les plats, puis il sacrait au téléphone, puis tout. J'arrive dans NHL, c'est Steve Bégin avec ses astis d'escalier. Là, tabarnak, là. Hey, j'ai collé l'escalier à terre, j'ai mis un ascenseur, collé. Il n'y a rien de trop beau dans le show, c'est qui là, Anakin? Pas le temps de niaiser, j'aime le logo voilà, qui est là c'est... présentement. Hey, il est beau votre logo pareil, là. Imagine qu'on le travaille un peu, là. Le bat rouge. Ouais. Les gens qui apprennent à ça. Guillaume, c'est-tu une rampe avec un... Ça descend, c'est l'escalier, tu sais? Ouais, j'ai une glissade, dans le fond. Ça descend dans la piscine. OK. T'arrives dans la boue. T'arrives dans le garde-manger, dans le fond. Hey, je tombe dans un... C'est le seul ici, dans le garde-manger. Je tombe dans un 10 pieds de Doritos. Mais Guillaume... Son garde-robe, il l'a changé en garde-manger aussi. Dans la nuit, quand il se lève, il s'en va être là. Je réveille ma blonde, c'est quoi ça? Ah, c'est rien. Fait que là... Hey. Aussi, j'entends les mulots aussi. Hey. C'est quoi ça? C'est un ficello aussi. Ah, j'ai levé mon zipper. Fait que je reprends le podcast sérieux, là, avec le premier ou deuxième choix de cette année. Est-ce qu'on fait une série l'an prochain avec le Canadien de Montréal? Non, mais là, Petri, c'est quoi vous faites avec? Est-ce qu'on fait une série l'an prochain à Montréal? Non. Mais non, parce que tant qu'à dropper puis repêcher, tu vas aller pour Connor Bedard l'année prochaine aussi, là. Qui? Connor Bedard, c'est un des meilleurs depuis longtemps. Ouais, mais ils peuvent pas faire exprès de perdre. Exemple, là, cet été, OK, il draft le premier ou deux là, ou trois, ouais. Peu importe, dans la loterie. Là, les gars reviennent, tu sais, Price, je sais pas, mais Weber, c'est terminé, mais ils vont signer des agents libres. Mettons, ils réussissent à en signer deux, trois gros pop-up. Oh, ouais, non. T'as raison, ça peut aller vite. Hey, j'ai quelqu'un. Est-ce que c'est ce qu'on aimerait? Attends une minute, André. Non, allez-y, c'est moi, je m'excuse. Moi, ce que je dis, c'est... S'il vous plaît, laissez parler Guillaume avant qu'il mange son micro. Moi, je pense que... on parle des choix repêchage. On parle des choix repêchage, mais comme de libérer de la masse salariale aussi. Là, tu regardes Vegas, admettons, là, ils ont parti qu'une feuille blanche. Ils ont fait une bonne équipe pareille, là. Quand tu as de la place, tu sais, je l'ai dit tantôt à radio, admettons là, qu'on met plein de place à ma salariale, puis tu payes un Claude Giroux bien plus cher que supposé, mais tu l'amènes ici, admettons. Là. Oh, mais bon, il t'amène à rien. Oui, mais attends, parce qu'il y a un point par match cette année. On n'a pas besoin de ça. On ne veut pas gagner. Combien, là? Pour un pas an, gagner. Mais pour un an ou deux, là, il n'y aura pas cet argent-là nulle part. Lui, Ils donneraient-tu 8 millions maintenant à Claude Giroux qui vient d'un an? Non, mais Chris, on veut pas gagner de game, voyons. Hey, on s'en les fout. Agents libres veulent-tu venir ici? Ben, c'est comme. Ouais, okay, ouais, mais je suis d'accord, c'est pas la différence Jeff entre nous autres et New York. Je sais, c'est. Taxe, température. 4 saisons de marque, Jeff Molson, où il veut gagner. Ça fait 2 ans, pas de fan qui est là, premièrement. Ben, c'est ça, là. Puis à Montréal, André, là, le monde va y aller pareil. S'ils ont des jeunes, des Steve Bégin de 19 ans qui travaillent fort, ils vont y aller. Moi, je m'a dit cette année, si on avait le droit de remplir à pleine capacité, je ne suis pas sûr que ça serait plein. Parce que les Petri et ce monde-là font chier. Échange Petri contre un kid, échange d'autres contre un kid. Va chercher puis bâtis de quoi, je te le dis, ça va être sold out. La vente des billets tout ça, là, Dre, là, ça va toujours se faire parce qu'il y a une liste d'attente à Montréal. C'est fou que tu gagnes quand tu fais. Il faut quand même que tu délivres. Le monsieur qui arrive de Trois-Rivières, d'où ce que tu connais bien, que tu as grandi, puis qui a payé enfin pour emmener son gars au Centre Bell, il a payé 300$, puis il regarde les Canadiens, mettons, jouer comme, tu sais, là, 3 semaines, 1 mois, whatever, là, tu sais, les dégelés de 8-1, est-ce que... Je sais pas. Si ouais, mais c'est pas grave, ça. Hey, André. Je pense.
André, hey, non. Vous savez mieux que moi. Montréal, Montréal, du Montréal là. Du Canadien. Montréal, là, les billets vont toujours se vendre. Il va toujours avoir du monde. Puis ça, j'ai zéro stress avec ça. Zéro, zéro stress. Mais Guillaume, ah ouais, on parlait des agents libres, on parlait Max. Oui, c'est quoi la différence? Il n'y en a pas de différence. Mais les clowns, là, des Américains, des joueurs, des bons joueurs ou des name it, des kingpins, là, dans les dernières années, depuis que tu connais le Canadien, depuis que tu as joué du Canadien, avec le Canadien, là, ouais. Est-ce que le top, on va dire les cinq top marchés agents libres, est-ce qu'il y en a un de ceux-là qui sont déjà venus à Montréal? Et si oui, mettons qu'il valait, dans ces années-là, 5-6 millions. Ben, c'est Kamala Harry, Gianta. Il a-tu fallu payer 2 millions de plus pour qu'ils viennent? Oh, non. Oui. Ben, attends une minute, Steve. L'affaire, là, c'est qu'on a des équipes de merde puis on est au cap totalement à côté. C'est ça qui est grave. Là. Tu peux pas permettre d'aller chercher un bon joueur. Là, OK, oui. Mais il y a des fois que, si on avait le choix, là, OK, on parlait, on essaie d'aller chercher tel joueur. Mais si finalement il savait que ce joueur-là, là, il dit peut-être, mais allonge-le 1 million.4 de plus, puis je vais y aller dans ton équipe. Ça a toujours été ça à Montréal, c'est ça qui est plat. Mais là, moi, ce que je vais arriver, c'est qu'avec le nouveau GM, il est allé au bord de la médaille. Là. C'est un agent. Oui, oui. Il connaît plein de joueurs qu'il a travaillé Jerry avec. Maguire. De un, il y a plein de joueurs qui ont travaillé avec. Ouais, Gary, lui, ils n'ont pas très misté les joueurs, ça. L'an prochain, cet été, ils vont signer Chara, un an. Zdeno, il va venir à 52 ans en béquille. Ouais, mais c'est correct, ça. C'est bon, ça. Ils vont arrêter de parler de la petite fois que je l'ai ici. Avec toi, Steve, moi, à cause de toi, Benjamin, tabarnak, va chier, hein? On va le dire, là. J'ai mangé une crise de volée par Chara à cause de toi, là. Arrête. Il s'est trompé, c'est pas de ma faute. Là. Hey, va chier. Hey, Attends une minute, là. Il s'est trompé de 60 livres, c'est pas de ma faute. Hey, le gros, ça avait pas d'allure. Hey, tu l'as pas lâché de la game. Il voulait t'arracher la tête, il me voit, il est comme... Oh, un pas frais, un beau pas frais. Hey, attends un petit peu. Mais écoute, l'histoire comique de tout ça, après la partie, Guillaume, ça va dire « Oh ouais, il dérangeait, j'ai droppé avec, je me suis battu avec. Tu me souviens même pas. Tu t'es jamais rendu compte que tu t'es battu avec jusqu'à temps que tu vois des journaux le lendemain, Le gros, j'ai posé 15 fois la question à mon père. Mon père était comme... Tu t'étais trompé en allant au banc de punition. Je savais pas où il était, où le banc de punition, le gros. J'étais sonné tête, là. Tout ça, hey, t'as ça à cause de toi. Et toi, tu ris de ça aussi. Il était rendu des loges en haut aussi. Y a-tu des croquettes, ça? Tu te souviens, après la game, si Guillaume, t'as barbé avec les médias, on voit dans les journaux le lendemain. Fallait que je me batte. J'y ai fait mal avec ma gauche. J'ai slacké par la suite. Yo, il savait même pas qu'il se battait avec Chara si je suis au lendemain. C'était pas dans mon contrat. OK, c'est ça. C'était pas hey, mais, on vient au bas rouge. Mais, Sherrod va partir, mais ça se peut que Petrie soit encore là. Tout le monde pense, Petrie débarrasse! Ça se peut qu'il soit là encore, je serais pas surpris. OK, je vais y aller. Il arrive d'Edmonton, là. Edmonton, s'en ont débarrassé. C'est qui, Roté? Qui tu penses? Vous êtes débarrassé de qui, André puis Steve? Vite, de même. Il s'est débarrassé de Petrie, Edmonton, là. Il arrive d'Edmonton, ouais. Il est bon. Petrie, quand il se met, là, il est bon. Il est bon quand c'est facile. Il est bon quand c'est facile. Quand ça va pas bien, tu sais, sérieusement, là, on va parler, il y a beaucoup de joueurs, puis Dre, t'en as connu des joueurs même. Il y a des joueurs que ça va bien quand c'est facile, quand que tout arrive bien pour eux autres, tout ça. Puis il y a d'autres joueurs que ils vont certain, comme Chris, on va prendre l'entraîneur, Martin Saint-Louis, là. Asti, lui, ça va aller bien quand ça va pas bien pour l'équipe. Lui, là, il est là. Il aime le challenge.
Puis lui, il aime le challenge. Puis lui, là, il va dire, « Hey, mes tabarnak, là, suivez-moi, là. Je vais vous le montrer, le chemin. » Puis... qui est là? Ah, c'est Amélie, elle dit, « Là, arrête de sacrer de même. » Ouais, il y a des enfants dans la maison. Elle dit, « Ouais, dire allô, là. » Hey, Amélie, elle a percé mon bébé dans le salon des joueurs. Ah, tout, non, elle dit, « Elle dit, « Non, mais Amélie, elle sac plus. Ah non, hey, c'est ça. Hey, as-tu déménagé de Val-d'Or? As-tu changé son baptistère? Hey, elle a changé son baptistère. C'est un modèle pour dirigeants. Elle n'a pas de top. Elle n'a pas de top, elle ne peut pas venir. Hey, chérie. Hey, fais-toi un shooter. La semaine prochaine, je t'attends. Tiens-toi, Brian. Oui, je sais, c'est le 21. Je suis pas un cochon, Chris. Arrête de sacrer. Hey, by the way, excusez-moi, les gars. Je veux juste souligner quelque chose. Vous voyez, j'ai un cellier. Un peu. Ouais, il est vide un peu. On le voit pas. Non, non, non. Mais... OK. Et vous voyez le moteur, là, le... Chris, c'est rien. Non. Nous autres, on a loué le site. Ils nous ont vanté le cellier comme si c'était la meilleure, la huitième merveille. Tabarnak. On n'a pas encore de... Je peux pas une bouteille là. As-tu longtemps que t'es là? Ça fait 6 mois. T'es encore à Cowansville, Steve, hein? Non, on est à Sorel-Tracy. Hey, tu vas te faire Sorel Tracy, tu vas te faire. Hey, un petit peu. Là, présentement, je suis sur les internets parce que j'ai un fil là, d'un bord de Montréal jusqu'à ici. Moi, c'est Kevin. Moi, c'est Kevin. OK. Hey, Kevin, il va rentrer avec nous autres dans pas long. Mais là, on était où? Avec Petrie, moi, je dis qu'il revient, non. Il reste. Parce qu'ils vont débarrasser Chirot, puis Weber is out, Chirot is out. So they need, ouais, maybe Andre Markov, I don't know, but they need a veteran to come there to help. Hey, la dernière affaire qu'ils ont besoin, là, c'est André Markov. Non, c'est lui le quatrième, amigos, hein? Steve, il s'entendait bien avec Markov, sérieux. Hey, oui. Attendez, il tabarnak. Il avait le même coiffeur. Je veux pas être méchant, là, mais pas capable. Les gars, vous êtes là, les anciens Habs, parlez-nous donc là, des Costicines, tout ça, puis c'était-tu vrai, puis... check des noms. Non, on fait pas de gâteau, nous autres. Marc-Claude. Ça, c'est une journée avec Marc-Claude. J'arrive à l'aréna. Hey, Hendry. Ben, m'a dit en français. Comment ça va? Brut de chou, Boudou. Il dit. Ça semblant, ça. Good, good. OK. Ça va bien? Puis. Chicken Kiot. C'était ça, cette discussion. C'était un tabarnak. Je me retournais vers Guillaume. Ah, ouais, je dis, hein? Je sais, ça ne tente pas aujourd'hui. Ça hey, mais le monde l'a aimé à Montréal. Là, hey, veux-tu au moins me parler? Je vais payer une frite tantôt. Est-ce que tu parles de moi, Chris? Hey, moi, c'est quand j'avais été LT Scratch, puis j'avais été manger des hot dogs au salon des présidents, puis je me cachais pour que Pierre Boivin me voie. Guillaume! Hey, t'étais-tu avec Phil Kessel? Oui, voilà. Guy! Quand t'as pété à côté de Markov dans la chambre. Je me souviens pas. Il était tellement offusqué. Ah, c'est un tabarnak, ça. Je l'ai haï. Ah, je l'aime pas. C'est pas méchant, mais je l'aime pas. Non, mais sérieusement, il était épais. C'est un épais, ça, Calis. C'est un épais. Zéro discussion. T'as essayé d'avoir une discussion avec. Ah non, c'est vrai. C'est un épais. Hey, Dre. Il m'a dit, j'ai demandé comment ça allait, et il m'a dit, oui, who cares? Who cares? Il me dit ça, Chris. Hey! Super, man. Fait que là, Markov, il a dit, who cares? Ah, c'est deux épais, ça, man. Ah. Il dit ça, who cares? Who cares? Je l'ai envoyé chier, Chris. J'espère. Okay. Moi, là... On va reprendre le podcast un peu parce que les gens veulent apprendre un peu sur notre... Ah, mais pour le monde à la radio, peux-tu dire où est-ce qu'on est à soir, là? Je ne sais plus. On est au Mexique. Steve? Ah oui, non, on est sur le non, non, mais on est... c'est quoi le podcast à soir? Le Red Bat. Le Bat Rouge. Non, la Bat. Non, c'est vraiment pas la Bat, André.
Non, le red, le bat rouge, André. André, non, André, le bat, ma, non. Ma, non, non, je fais des fans. Maxime, il y a une question. Laissez-le parler. Non, moi, j'étais en train de lire le chat puis m'arranger avec Simon quand il y a des problèmes techniques. On continue, là, je sais pas. Fait que ça fait une demi-heure qu'on parle qu'on n'est pas en ligne. C'est pas enregistré. Non, pour vrai? On peut recommencer. C'est bon, là. Parce que là, on a des longueurs. C'est pas vrai. Les gens, est-ce qu'il y a-t-il des questions du public? Les gens apprécient-tu? Tu veux-tu prendre des questions du public, André? Non, Steve, je te le dis. Tu veux t'en aller, tu peux, là. Mais sinon, on rentre dans la section où on prend des questions du public. Steve aime ça avec ses côtes. Il a tombé sa glace avec Claude Julien à Belgique. OK. Puis, Steve, si tu veux aller te coucher parce que tu déranges tout le monde, tu me le dis. OK, on donne 30 secondes. J'espère que son micro va être fermé, ça serait écœurant. C'est quoi, il a dit, c'est en soi un hamburger. Attends, il donne 30 secondes. On va faire la LNM. Hey Max, on fait ça à LNM là? On la fera la semaine prochaine. Non, non, on va. Ouais? OK, on saute. C'est quoi LNM, non? C'est la Ligue nationale des microbrasseries. Hey gars, on parle ensemble, tu vois, on est comme les Denis de Relais. Ouais, la semaine prochaine, on va faire le match de cette semaine. Hey, on en fera deux la semaine prochaine. Oui, Pendant que Steve fait son sa conversation, Simon, mets-nous, s'il te plaît, on va passer au pool. Pool, la poche bleue, présenté. Hey, je vais répondre à la question, moi. Simon, mets-nous le pool, la poche bleue, la petite vidéo. Je fais avec les stats, puis on passe suite à la section Most Select. Hey, j'ai 3 buts, 4 passes cette année-là. Les stats, là. Simon, let's go.